Bon, on va passer tout le blabla parce qu'il est très long. Hein? Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Donc, Heroes of a Broken Land. Bonjour tout le monde, si vous n'étiez pas encore là. C'est un jeu qui va mêler jeu de stratégie avec développement de ville, exploration du monde. Et qui va également avoir un côté dungeon crawler avec plusieurs équipes. Enfin, vous allez voir, c'est un jeu un peu particulier. Le pitch, c'est que le monde était florissant. De grands mages sont apparus avec des pouvoirs extraordinaires. Et ces mages ont malheureusement mal utilisé leurs pouvoirs, puisque ils les ont utilisés à des fins pas forcément très nobles. Et à cause de ça, le monde a été détruit. Il a explosé en petits îlots, en petits fragments. Et aujourd'hui, les mages ont conscience du mal qu'ils ont fait. Et ils vont essayer de se racheter. Donc les mages sont quasiment l'équivalent des dieux, hein. Donc vous allez incarner un mage. Et vous allez présider à la destinée d'une faction. Alors, nous pointe Kaleth, le sage. Ça augmente l'XP gagné. Saria, la veilleuse. Ça augmente la mana des héros. Dareth, le brave. Il augmente l'attaque des héros, c'est-à-dire les dégâts qu'ils infligent au corps à corps. Morn, le malin. Il augmente la fréquence, a priori, des objets magiques. Lentil, le soigneur, donne plus de points de vie aux héros. Orania, la gardienne, donne de la défense aux héros. On va prendre Kaleth Wise. C'est votre devoir, votre pénitence de soigner la terre et rassembler les fragments du vide. Ce n'est qu'en collectionnant en collectant les fragments qui errent dans l'espace que vous pouvez vous racheter. Affaibli par l'explosion du cœur, piégé dans votre forme de cristal, il vous faut de l'aide. Pour sauver le cœur et restaurer le monde, il vous faut beaucoup de héros qui parcourent ces terres brisées. Donc vous êtes donc le magicien, effectivement, comme dit, prisonnier dans une gangue de cristal. Vous arrivez sur une île qui flotte dans le vide éternel. L'un des nombreux fragments de l'ancien monde, tout ce qui reste de ces terres fracturées. Il est de votre devoir de guérir ces fragments, explorer les terres et récupérer des cristaux de cœur, le cœur du cristal, et seulement alors vous pourrez soigner ce fragment. Vous avez réuni pour l'instant 4 héros pour commencer votre quête. Donc 4 héros. Premier héros, ce sera Brutus. Alors, on va commencer par créer 4 héros. Ces héros, on va leur donner des rôles particuliers. Il faut savoir que votre héros commence avec une classe. Donc, ce sera Fighter, Rogue, Mage ou Priest. Et vos héros vont pouvoir avancer vers vers des classes avancées. Par exemple, un Fighter peut devenir Gladiateur, etc. Chaque héros commence avec un jet de dés. Et en fonction de ce jet de dés, vous allez choisir une classe. Vous avez droit à 8 rerolls, mais ce n'est pas 8 rerolls pour chaque héros, c'est 8 rerolls en tout. Le problème de ce héros, c'est qu'il est un peu bon à rien. Parce que bon, en dehors de speed, il a rien. Alors, on va reroll. Là, il a beaucoup de force. Il manque d'endu, il manque de. Mais bon, peu importe, on va quand même faire un fighter. Brutus. Nous avons Emmett. On ne peut pas changer ta tête à toi. C'était vraiment très moche. Emmett, il a quoi? Emmett, c'est monsieur moyen. On va en faire un rogue. Pourquoi pas? Donc, Charai. Kiara, il est moyen, voilà. Pas beaucoup d'endu. Bon, j'ai bientôt plus de reroll, donc je vais en faire un rogue. Et toi, Hazan, bon, on va faire toi un fighter, mais je suis pas convaincu. Vous avez trouvé un fragment inexploré du monde brisé. Utilisez vos héros pour explorer ce fragment, récupérer de la force, des trésors dans votre quête du cristal. Développez votre ville pour équiper vos héros
entraînez-les, recrutez de nouveaux héros à votre cause. Oui, bah, vu la merde qu'on a avec nos héros actuels, on va plutôt compter sur les héros qu'on va embaucher. Donc voilà comment se présente ce jeu. Donc vous avez un monde qui se divise en hexagone. Et vous avez donc vos personnages qui sont représentés par ces petits chevaux avec un drapeau de couleur. Chaque drapeau de couleur va indiquer l'armée, puisque vous allez avoir plusieurs troupes. Donc là, je me dis entrer dans votre ville. Clique là-dessus. Ceci est votre ville principale que vous devez développer si vous voulez espérer sauver ce fragment. Depuis cette ville, vous pourrez recruter des héros et construire une base d'opération pour explorer ce fragment. Choisissez vos bâtiments avec soin. Une fois construits, ils ne peuvent pas être changés. Et si je ne dis pas de conneries, vous avez une limite de 6 bâtiments disponibles. Donc ça, c'est pour acheter des héros. Construisez ici. Alors, le nombre de bâtiments disponibles, on a quoi? Guilde des aventuriers. Donc, vous pouvez apprendre vous pouvez avoir du commerce et apprendre des compétences spécialisées dans ces endroits. L'alchimiste, que le jeu veut absolument que vous construisiez. L'alchimiste est le vendeur de potions. Qui permet de créer des élixirs. Vous avez une arène. L'arène attire les meilleurs guerriers de ces terres, ce qui vous permet de devenir champion de l'arène et donc des gladiateurs. Ça, je pense que c'est pour améliorer vos personnages. Toutefois, pour la construire, il faut 2500 gold et 15 cristaux. J'ai 1000 gold et 10 cristaux, donc je ne peux pas. Nous pourrions faire la forge d'armure qui vend des armures, c'est incroyable. Et ils peuvent travailler en coopération avec des enchanteurs pour donner des armures enchantées. Donc, un enchanteur qui permet de vendre des objets magiques et qui peut aussi travailler avec un fabricant d'armure ou d'armes pour produire des objets enchantés. Donc une ferme qui vous donne de l'argent. Une tour de garde qui donne de la sécurité à la région, qui réduit le nombre de monstres errants sur les terres. La guilde des mages qui fournissent des sorts plus puissants. Les étables qui vous permet de voyager rapidement entre vos différentes villes. Pour l'instant, on n'a qu'une ville, donc il n'y a pas mais les étables. Je crois que ce sera utile de le faire parce que ça permet aussi à vos chevaux de développer des ailes, ce qui permet de voyager plus vite sur les terrains difficiles. Vous avez les temples qui sont la demeure des chevaliers de la lumière et qui offrent des capacités de soins et d'autres services. Vous avez la forge d'armes qui fournit des armes. Donc, mais je crois que vous ne pouvez bâtir que 6 de ces bâtiments. On va commencer à faire un alchimiste parce que c'est ce que le jeu veut que nous fassions. Voilà. Bâtissons un alchimiste. Fast travel. Pour voyager rapidement, il nous faut une étable. Nous pouvons équiper nos héros. Nos héros, ils ont un système d'inventaire. Pour ça, bah, il faut avoir des objets. Bon, pour l'instant, il n'y a pas d'objets. Donc, on ne peut pas. Alors, clique ici pour entrer dans dans ta mairie. La mairie, c'est là que se rassemblent les héros. Au fur et à mesure que votre renommée va grandir, il y aura de plus en plus de héros qui se rassembleront autour de vos villes. Vous pouvez recruter de nouveaux héros et assembler de nouveaux groupes pour aller explorer. Tous les héros ne sont pas égaux. Alors, choisissez bien. Choisissez but. Lui, Benigno, il a des stats à chier. Bon, ça peut faire un voleur. Un voleur, ouais, pour être explorateur. Lui, Akiko, il est sympatoche, mais sans plus. Bon, ça dit, il a de meilleurs stats. Donc lui, je vais l'embaucher. Mais on va faire un rogue pour essayer d'en faire un explorateur. Alors, voilà. Ici, le groupe. On a les différentes parties. On peut créer une partie. On va créer une partie ici pour mettre lui. Voilà. Et on a notre partie de base qui est censée être rogue. Bon, pour l'instant, on va vous garder. Donc, on a deux parties. Vous voyez, on a la partie jaune. La partie jaune, c'est celle avec le Akihiko tout seul. Et la partie bleue, c'est celle avec nos quatre personnages. Donc, on va commencer par la partie jaune. Tu vas aller là, toi. Donc les points de mouvement sont indiqués ici, lui il en reste 3, puis 0. On ne peut plus bouger.
Le groupe bleu. Alors ici nous avons une grotte enchantée. C'est un donjon niveau 1. Ah bah on va rentrer dedans. But, détruire tous les monstres. Risque modéré. Alors, les donjons sont des endroits dangereux. Détruisez-y des monstres, collectez des trésors. Faites attention aux pièges. Utilisez votre carte pour ne pas vous perdre. N'ayez pas peur de rentrer en ville si vous manquez de fourniture et bonne chance. Donc après voilà, c'est du dungeon crawler. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un rogue, on a un fighter, un rogue et un fighter. Mais on a un peu trop de rogue à mon goût. Alors, fiole magique. Pour un piège. Ah, c'est Brutus, c'est toi qui as gagné XP? Comment accède-t-on à la feuille de personnage de Brutus? D'accord, donc en fait non, l'XP du piège a été réparti entre tout le monde. Ok. Ah, arrange parti. Toi t'es le rogue, toi t'es le rogue, toi je voudrais que tu ailles devant. Je sais pas vraiment si ça a du sens. Mais bon, on va le mettre comme ça. Oh! Alors, cibler les monstres du côté droit. Vous ne choisissez pas. En fait, en réalité, vous ne choisissez pas qui vous attaquez. Auto-attaque ou attaque? En fait, les personnages qui sont à gauche vont plutôt taper sur les monstres de gauche. Les personnages de droite vont attaquer plutôt les monstres de droite. Sur ce jeu, au niveau du combat. Il est fortement recommandé, lorsque vous en avez la possibilité, d'arriver dans le dos des monstres, parce que si vous arrivez dans le dos des monstres, vous avez droit à un round gratuit. Voilà, tuer tout le monde, 90 XP, 9 gold. On a quand même des mecs déjà bien blessés. Gold. Oh là là, merde! Voilà, on les a attaqués par surprise, donc on a droit à une action libre. Donc on a eu un droit à un round gratos, ce qui nous a permis de les tuer, voyez? Bon alors dans les donjons comme ça, où on est façon... Il reste 14 monstres. Quand on est façon couloir, on n'a pas vraiment le choix. On est un petit peu obligé de les prendre comme ils viennent. Mais quand on est dans des endroits un peu plus ouverts, il faut essayer, quand on peut, de le choper dans le dos. Bon, on va essayer de le choper, il est tout seul, ça devrait se faire sans qu'il ait le temps de taper. Ah bah, ou pas. C'est ennuyeux. T'as combien d'XP toi? 56 sur 100. Ouais, ça commence à devenir dangereux pour ta gueule, mec, hein. Oh! Ça craint. Les chauves-souris ont pas mal de vie. Alors apparemment on les a chopés dans le dos. Donc on a eu droit à un round gratos. Donc on a réussi à les buter sans prendre de dégâts. Là on les a flanqués. Donc on n'a pas un round gratos mais ils joueront à la fin du round. Nous a permis d'en tuer un avant que le deuxième ne joue. Enfin, avant qu'il ne joue, pardon. C'est un sacré couloir, ce donjon, hein. Il nous reste 11 mobs. 40 gold. Écoutez, moi, ça me va. Utilisez une potion de soin. Utilisez une potion de soin. Utilisez une potion de soin. Bah, on va prendre une healing vial. Ok. Oh, on les prend dans le dos, eux. Ils sont 4, c'est pas glop. On devrait en tuer 2.
premier round avant qu'il joue. Voilà. Du coup, on s'est fait attaquer qu'une fois, vous voyez. Et donc, on a gagné du level. Alors, Brutus, tu as droit à des points à gagner. Tu as déjà pas mal en force. On va te donner de l'endu. Alors, concrètement, la force, ça donne quoi? Ça augmente l'attaque, c'est-à-dire les dégâts. L'endu, ça augmente les points de vie et la def. La J, ça augmente l'attaque, la def, l'évasion et les chances de désarmer les pièges. Mais ça affecte plus de stats, mais moins. Hein, la force augmente beaucoup plus l'attaque que la J, par exemple. La vitesse, ça augmente l'initiative et l'évasion. L'intelligence, le spell power, will, les points de mana. Alors, on n'a pas de mec avec des points de mana ici. On va plutôt faire ça. Donc, on va gagner 14 points de vie, vous voyez. 3 points de mana, on s'en fout. En dégâts, on va passer de 25 à 33. Alors, on choisit un skill. Non. En skill, nous avons Axe Master, Sword Master. Voilà, on lui a pris Sword Master Azan. Enfin, je sais pas si on a pris Sword Master. Toi, tu es un guerrier. Vous voyez, en fait, ce que vous gagnez, c'est le chiffre en vert. On va gagner un peu de dégâts. On va gagner un peu de points de vie pour toi, poteau, et un peu de dégâts. Carai, tu es rogue. Et Emmett, tu es rogue. Ok. Du coup, Brutus, en compétence, tu as... Ouais, ça, j'ai bien choisi Sword Master pour lui et lui Spear Master. Alors, qu'est-ce que ça fait, les maîtrises? Ça vous permet de... Alors, la maîtrise des lances réduit la défense des adversaires. La maîtrise des épées augmente vos dégâts. Vous donne des chances de critique. Un bonus d'attaque. Ouais, lui, ça réduit vraiment la défense. Pourquoi pas, hein? On va voir, hein. Après, c'est que mon premier groupe... Alors, si je veux jouer avec ZQSD... Est-ce que je peux changer les... Move forward, Z. Move backward, move left. Non, on veut A. Move right, on veut E. Turn left, on veut Q. Turn right, on veut D. Wait, space, etc. Ok, on va essayer de jouer avec ces touches-là. On va faire une save. Hop, on les prend dans le dos. Ah, je suis passé en mode auto-attaque parce qu'apparemment, l'auto-attaque, c'est une des touches WASD. C'est Z, ok. Donc c'est un jeu qui va mêler comme ça un peu exploration, récolte façon Might and, Heroes of Might and Magic. Donc ouais, il comprend tout de suite moins cher quand on se fait toucher par ces saletés de chauve-souris. Donc il y a de l'exploration, de la récolte de ressources, alors j'ai façon Heroes of Might and Magic, bon vite fait quand même. Hein. Et Dungeon Crawler. Et on va faire comme ça, on va créer plusieurs groupes qui vont tous aller explorer le monde et qui vont tous rentrer dans des donjons. Certains groupes, il y aura juste un mec qui sera chargé de rentrer dans les donjons pour ramasser 2-3 trucs ramassables, mais qui auront surtout pour but d'aller explorer. Putain, l'XP pour level up, elle est assez ardue ici. Magique,
Oh, le beau coffre. Un livre de scouting et 184 gold. Alors. Des gantelets noirs et 126 gold. Donc eux, ils sont flanqués, ils joueront après nous. Bah, ils seront morts avant. Alors, on a dit qu'on a chopé des Black Gauntlets. Brutus, toi, t'as un peu des meilleures stats. Donc, Black Gauntlet, ça donne quoi? Def plus 4, DAR. Je sais pas ce que c'est que le DAR. Résistance Dark. Ou Dark Damage? Non, résistance Dark. Donc, ça donne la résistance à la magie sombre et ça donne 4 en def. Pour l'instant, vous voyez, on n'a pas de gants. Voilà. Du coup, notre ami Brutus a gagné des gants. Ce qui n'est pas dégueu. Et on a un livre quelque part. On a un livre de. Je sais même plus ce que c'est qu'on a. Comment ça s'appelle? Scouting, je crois. Hop, on les a pris par surprise. Enfin, attention, les monstres peuvent aussi, eux, nous prendre par surprise. Oh, l'ours, à mon avis, il va pas être sympathique. On a réussi à le tuer avant qu'il bouge grâce à l'effet de surprise. Alors, une massue de seigneur. Enfin, gourdin du seigneur, quoi. Alors, la hache, c'est attaque plus 8. Donc, vous voyez ça, attaque plus 16, def plus 5, force plus 2 et tout. On enlève sa hache et on lui met ce club. Ah ouais, Brutus, là, du coup, ça va être Monsieur Brutus. Si vous regardez les stats, 18, 13, 12, 12, 12, 9. Attaque 52, hein, ce sont les dégâts, hein, je rappelle, attaque. Ça va booster les dégâts en tout cas. Donc c'est assez sauvage. Alors au niveau de la carte, vous voyez ici on n'a pas trop bien visité. Il reste 6 monstres hein. Un cristal. Oh cool, il nous en faut plusieurs pour développer notre ville. Il en faut même beaucoup. Alors il est flanqué. Donc le temps qu'il réagisse, il sera mort lui. Oh, le vilain piège. Ah, vous avez échoué. Vous avez 94% de chance hein, de le disarmer, ce piège. Je vous ai échoué comme des gros tocards que vous êtes. Ça sent pas la compétence, ce groupe. Alors, livre de faiblesse, un glaive. Ici, un piège. Une hache. Bon, une hache, je pense qu'on aurait pu vivre sans. Ennemi flanked. Ah bon? Je sais pas comment on a fait pour les flanquer. Hey! Va bouffer quelqu'un d'autre, ok? Alors, niveau XP, on n'avance pas beaucoup. Équipement, qu'est-ce qu'on a? On a un Gladius qui donne attaque plus 8 et qui requiert Swordmaster 1. Non? Ah, mais lui, il a Swordmaster. Ah, bah donc, c'est plutôt à lui d'avoir le... Non, c'est-à-dire que ça bénéficie de Swordmaster, en fait. Avec Swordmaster, tu bénéficies quoi? Attaque plus 10%, quoi. C'est simple. Avec son truc actuel, en attaque, il a 52, d'accord? Il passe à 41. C'est minable. On se l'a dit, du coup, lui, je peux lui donner ce Sharp Lord Club. Et du coup, attaque 50, vous voyez. Donc, ça équilibre un petit peu plus en termes d'attaque. Lui, il a du coup des fat stats. Bon, peu importe. Pas de raison de donner plus à un qu'à l'autre. Même s'il y en a un qui a des stats meilleurs de base. Ah, c'est nous qui avons été flanqués par les monstres, vous voyez. Et donc, ils sont joués avant nous. Oh, l'ours là-bas il nous tourne le dos, ce serait bien qu'on puisse le péter. Voilà, attaque surprise.
pour Monsieur l'ours. Donc on a un round gratos et ensuite on joue un deuxième round. Et si on a cette initiative, du coup on peut faire deux rounds d'affilée. Et ça permet de tabasser pas mal. Prendre les ennemis dans le dos. Encore une fois, bon là on n'a pas vraiment le choix, hein. C'est un couloir quoi, hein, comme dit. Ah, on en est revenu carrément ici. Ah certes, il n'y a pas des passages secrets là ici. C'est louche. Il nous reste un mob dans ce donjon. À mon avis, il reste plus qu'un mob dans le donjon, puisqu'il y en a trois là devant nous. Félicitations. Mission réussie, 105 XP bonus. Sortez lorsque vous serez prêt. En gros, la renommée de ton groupe a augmenté. Bah, avant de sortir, on va quand même finir de vider. Hein. Il y a peut-être du trésor, quoi. Donc voilà un jeu qui mélange habilement plusieurs genres de jeux. Alors évidemment, il fait aucun genre parfaitement, hein, bien sûr. Ça reste du dungeon crawler ultra basique. Hein. C'est pas du grimrock. Ça n'en a absolument pas l'ambition de toute façon. Et au niveau de la gestion dans le monde, ce sera jamais un Heroes of Might and Magic, quoi. Donc ça, c'est un jeu qui a un peu le cul entre deux chaises. Alors. Donjon nettoyé, nous y avons trouvé, gagné 1450 XP, trouvé 919 gold, 3 cristaux, une potion de vie, une fiole de soins, une fiole de magie. Ou alors c'est ce qu'on a eu en bonus peut-être d'ailleurs tout ça. On a 3 haches, qu'est-ce qu'on va foutre de ça? Alors... L'alchimiste, on peut y acheter des potions. Ah, la life potion, c'est une potion de res. Ok, ah, bah, c'est cool en fait. On pourrait vendre ces haches. On va le faire. On a un livre de faiblesse. Et un livre de scouting. Ça permet de voir plus loin. On a 5 life potions. Ah ouais, quand même. Donc ça vaut maintenant 1289 balles. Vous voyez en fait le nombre de bâtiments que vous pouvez faire. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. En fait, c'est sur chaque tâche. Comme ça, vous pouvez faire un bâtiment. Donc, il y a bien que 6 bâtiments faisables. J'aimerais faire une guilde des aventuriers. Ça coûte 1000 gold et 10 cristaux. Malheureusement, je n'ai pas les 10 cristaux. Donc, je dois partir explorer le monde. Voilà. On n'a plus assez de mouvement sur nos gens. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? La tour sans fin des horreurs. Deux groupes sont requis pour aller là-dedans. Voyez-vous ça? Alors, toi, t'arrives au bord de l'eau. Toi, il y a un trésor. 509 gold et des chaussures. Alors, les chaussures, c'est Def 8, Évasion 4. C'est mieux que les sandales. Ah, t'as gagné des chaussures, mec. T'es pas heureux? C'est quoi ce donjon? Niveau 3, tour des serpents, 3 groupes requis. Oh, punaise. C'est pas des donjons de débutants qu'on a. Alors, on n'a toujours pas 10 cristaux. Je veux absolument la guilde des aventuriers. $920. C'est cool, hein, on chope du gold, hein, mais j'aimerais des cristaux quand même. 601 gold. Bon, il faut aussi beaucoup de gold, hein. Donc, c'est pas perdu.
Une masse têtue. Une masse têtue. Qu'est-ce que c'est que connerie? Attaque 14, def 5, volonté 10. Ah, par rapport à... C'est simple, avec ce Gladius, t'as attaque 41. Là, t'as attaque 44, hein, même 47. Hein. Même si t'as Sword Master, cette masse, elle est définitivement beaucoup plus costaud. Oh, mais il y en a là des cristaux, dis donc. 10 cristaux, hop! Il y en a encore là, ça c'est cool. 1193 gold. Alors, du coup, on peut aller construire ici la guilde des aventuriers. Ok, alors la guilde des aventuriers, qu'est-ce qu'elle a? Elle nous fournit des livres. Training. Ça augmente l'attaque et la def. Tough, ça donne 10 points de vie. Résiste. Ça augmente la résistance aux éléments. Heal, ça permet de soigner, d'apprendre le sort soin. Durcissement, ça permet d'augmenter la def, vous voyez, aérobique. Ça augmente la force et l'endurance. Gymnastique, ça augmente l'agilité et la vitesse. Vous voyez, donc on peut acheter des livres. Alors on va vendre ces sandales qui ne nous intéressent pas. On peut customiser des personnages. Bon, on s'en fout. Alors, comment est-ce qu'on peut utiliser un livre? Use item. Ah, c'est là. On peut apprendre. Alors, toi, tu vas apprendre scouting. Voilà, Akihiko a pris scouting, il peut maintenant voir plus loin. Vous voyez, le champ de vision a effectivement augmenté pour lui. Il est passé à deux cases. Vous allez me chercher des cristaux. Merci, il n'y en a que 4. C'est dommage, avant là, il y en avait 10, c'était mieux. Prochain bâtiment qu'on va faire, ce serait quoi? On peut faire une arène, on n'a pas encore les cristaux. L'arène permettrait d'améliorer des gens gladiateurs. Ce qui du coup peut être plutôt utile. Mais un temple serait pas mal aussi, mais on va commencer par essayer de faire une arène. Ah! Ça dit, attendez. C'est quoi ça? L'oubliette des rêves. C'est un donjon niveau 3. gold. Est-ce qu'il nous faut c'est des cristaux? Des cristaux, il y en a là-bas. Ah, le désert, il faut 3 points de mouvement pour avancer. Alors, de l'or a été trouvé dans les collines par des mineurs locaux. Ils savent que le minerai est à vous, de droit, et ils viennent vous en informer de leur trouvaille. Qu'à vous faire avec ce trésor? On va les remercier pour leur honnêteté, on partage l'or, on refuse notre part. On les remercie pour l'honnêteté et on partage l'or, non. On les remercie pour leur honnêteté. Ils ont l'air un peu déçus. Ah, ok, je pensais que les remercier, ça allait rien faire. Ah, des monstres errants. Niveau 3, ouais, on n'est pas encore niveau 3, il va falloir qu'on aille faire du donjon là les gars. Parce que des donjons sortent des monstres errants qui peuvent même attaquer votre ville. Alors ici, donc on a dit qu'on souhaitait faire une arène, on peut. Voilà. Donc vous envoyez un personnage dans l'arène et il va affronter plusieurs monstres. C'est moi ou j'ai vu qu'il y a des héros qui sont disponibles? De nouveaux héros sont disponibles. Alors, toi, t'es médiocre. Toi, t'es médiocre. Toi, t'es... Tu peux être un bon scout.
On va t'embaucher. Non, merde, j'ai embauché comme guerrier. Ah, oh, c'est pas possible. T'es trop si con. Ah, oh, on peut personnaliser sa tête. Ah, oh, quel con. Il m'intéresse pas du tout comme guerrier, lui. Je veux pas un guerrier, j'en voulais un scout. Ah, quelle merde. Bon, bah, de toute façon, on l'a. Hein. Bon, on pourrait le virer, hein, cela dit. On pourrait le dismiss. Bon, bah, on va créer un groupe et puis on va le mettre. Hein. Ça sert à rien de. Create party. Voilà. Et lui, il va partir explorer par là. Ah, je voulais qu'il soit explorateur, lui, pas du tout guerrier, c'est quel con. En fait, quand vous l'embauchez, faut choisir la classe quand vous l'embauchez. Parce qu'il a, il a pas du tout les stats de guerrier. En tant que guerrier, c'est un tocard ce mec. 4 cristaux. Qu'est-ce qu'il y a par là-bas? On dirait qu'il y a quelque chose. J'aimerais trouver un donjon niveau 2. Bon, on va essayer de rentrer dans le donjon niveau 3. Hein. C'est très risqué, mais bon, peu importe. Alors, qu'est-ce qu'on voudrait faire ici? Est-ce qu'on peut faire un temple? Il faudrait faire un. La magie pour l'instant on s'en fout un peu. On va faire des étables, tiens quand même, plutôt. On peut upgrader les étables. On va le faire. Certains bâtiments peuvent être upgradés, hein. Ouais, l'arène par exemple, on pourrait l'upgrader. On peut upgrader les bâtiments derrière, hein, pour les rendre plus efficaces, mais ça coûte très cher. Ah, c'est un téléporteur. Ah, oh, bah dis donc. Ils ont une touche, les monstres. Ah, c'est un zombie à gauche. On risque de perdre notre groupe, hein, je vous le dis. 52 XP. Ah, punaise, on s'est encore fait téléporter. Punaise, mais quelle tristesse, ce truc. Ah, bon, on s'est refait téléporter à l'entrée, ça va. Hop, on va le prendre dans le dos, le zombie. On va te flanquer. Il y a même un levier, dites donc. Hop, on a flanqué ces zombies. C'était pas vraiment fait exprès. Ils sont pas très dangereux, mais ils rapportent pas beaucoup d'XP pour l'instant. Oh, c'est nous qui nous sommes fait flanquer. Et là, le groupe, il est déjà un peu plus costaud. Je pense qu'il va falloir popoter là. Toi, t'es comment niveau XP? Oh, 382. Non, on va, ouais, on va compter sur un level up. Hop, il est attaqué par surprise. Donc logiquement, tu peux level up là. Voilà. Brutus. On va te donner de l'endurance à toi. La force et un peu d'agi. Hasan. Donne un peu de vitesse à toi, Hazan. Voilà, vous voyez, ça remplit la vie. Kiarai. Et Emmet. Voilà, vous voyez, comme quoi. Alors, voyez une cage en fer. Voulez-vous l'ouvrir? Des monstres sortent de la cellule. De la serrure, j'allais dire.
La cellule, ça suffira. Brutus est changé. Oh, tout le monde gagne endurance 5! Ah ouais! Sympa! Non, je veux rentrer! Je veux rentrer! None shall pass. Allez, on va le flanquer, lui. On devrait lui flanquer une rouste. Hein? Bon, 26 XP, c'est pas fantastique, mais bon. Bon, eux, il faut les prendre dans le dos, parce que sinon, on va se faire défoncer, là. Ils sont 4, ça commence à devenir un peu costaud, là. Du coup, on a droit à... On a eu un round bonus, et on attaque le deuxième round. Vous voyez, on en a buté 3... On n'a pris qu'une seule attaque. Pas mal. Bon, c'est un petit jeu, hein, Heroes of a Broken Land. C'est un jeu qui a du potentiel pour avoir une bonne durée de vie, malgré tout. Faut vraiment que je revienne vers l'entrée, moi. Non, hein, c'est pas du tout là que je voulais aller. C'était de l'autre côté, là-bas au fond. Des gants. Ils ont trouvé des gants. Toi, tu n'en as pas de gants. Voilà. Donne de la défense. C'est un piège. Ah, il y a carrément un deuxième étage et tout. Ah, non. Bien, bien. Oh, faut les flanquer, eux. Alors, on n'aura pas de round gratuit, malheureusement. Mais voilà. Alors, l'ours, Aston, Charai, on s'en fout. Si c'est que ça, c'est pas grave. Ok, on a réussi à buter tout le monde en flanque. Ah, fâcheux. Oh, il y a des switches partout dans ce donjon, c'est un truc complètement fou. Oh. Rater cette chauve-souris, c'était dommage. Bon. C'est pas gênant, mais c'était dommage. Bon, pour l'instant, il n'y a pas un bestiaire ultra varié, mais c'est pas très grave. On est dans les donjons bas niveau, donc faut pas non plus s'attendre à avoir beaucoup de choses diverses et variées. Ça nous a rendu de la vie. Pourquoi pas? Bon, en termes de jouabilité, c'est facile à prendre en main. Le seul regret, c'est qu'effectivement, vous ne choisissez pas qui cible qui. Hein. Les gars qui sont à gauche, ils ciblent le mob de gauche de première ligne. Et les gars à droite ciblent le mob de droite de première ligne. Hein, c'est tout. Cherchez pas.
trappe 10 armes. Là, il y a un gros bouton. On l'avait vu, cela. 61 gold, ok. Ça nous soigne. On n'avait pas pris de dégâts, mais c'est pas grave. On aurait pu la laisser tranquille, du coup, cette... Un knif. Alors, ce couteau, il vaut quoi? Toi, t'as quoi, toi, Joe Laburge? Qu'est Gladius? Attends, Gladius, toi? Ok. Ok. Si je te donne le couteau, tu feras moins de dégâts, mais tu vas gagner en speed. Non, enfin, ouais, bon... On va rester comme ça, quoi. Ouh, casque noir! Toi, t'es Monsieur Dark Magic. Ah, il peut pas le mettre. Pourquoi? Je ne sais pas. Lui non plus, d'ailleurs. Comment se fait-ce que nous ne puissions utiliser ce Black Helm? Pourtant, on n'a rien sur la tête. Ouais, mais il faut quand même choisir... Ah, en fait, il faut choisir l'objet. Ah, ok. D'abord, cliquez sur le casque pour pouvoir l'équiper. Ok. Bon, pourquoi pas? Toi, t'es monsieur... j'ai de la résistance à l'ombre, quoi. C'est un de ces bordels, ce truc. Vite, flanqué. Ah, attaque surprise, ils sont retournés dans l'autre sens au moment où on arrivait. Heureusement, parce qu'on a raté tout ce qu'on a pu rater, là. Vite, 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 ils sont de dos. Ha ha, attaque surprise. On a un round gratos. Ensuite, on a notre deuxième, enfin notre premier round de jeu. Donc voilà, on a pu les tabasser en règle. Oui, on va les flanquer. La chauve-souris nous a raté, c'est fâcheux pour elle. Combien d'XP le prochain niveau qu'on rigole? 900 XP. Hein. Ouais, la courbe d'XP, elle est assez ardue, je trouve. La route est droite, mais la pente est forte, hein, comme disait l'autre. Bon, je m'attendais... Oh, attaque surprise. Quelle bonne idée. Je m'attendais à quelque chose de plus difficile de la part d'un donjon niveau 3. Vous voyez ces trucs là? Trappe 10 armes, non, c'est gratuit, c'est cadeau. Oh, hache de rapidité. Toi, t'as quoi? Sharp Lord, toi, Stubborn Mace. La Fast Axe et Attaque 8, Speed 10. Bon, ouais, c'est pas terrible, donc on va donner ça à lui par exemple. Voilà. Ça fait les mêmes dégâts, hein, mais 10 en speed en plus, quoi. Donc tu gagnes de l'évasion, je pense. C'est de l'évasion et la vitesse à laquelle tu agis. Alors... J'ai même pas été voir s'il y avait quelque chose là derrière, mais non. Alors, il faut qu'on revienne, pouf, tout là-haut, quoi. Tout là-haut, là-haut, dans le ciel. Bon, vous avez une boussole, hein. C'est bien par là. N'oublions pas qu'à un moment donné, on avait trouvé un téléporteur.
Bah, c'est tout ce qu'il nous reste à faire d'ailleurs, prendre ce téléporteur. Gold un bracelet. Alors ce bracelet c'est quoi? Je pense que ça se met à la place d'un. Alors c'est un collier qui s'appelle bracelet. Ok. Et ça se met dans la. C'est un collier qui s'appelle bracelet qui se met dans un emplacement de bouclier. Ah, on s'est fait stun un voleur. C'est pas trop gênant. J'aime comme il y a de l'or qui traîne par terre en fait dans ces donjons. Oh, nous avons flanqué un rat, mon Dieu! Ah, le rat il est niveau, il a 27 PV. Ok. J'ai même pas vu qu'on avait un tout type d'infos. Nous n'avons pas ouvert le bon levier. Revenez plus tard quand vous aurez ouvert le bon levier. Hop, bordel. Je sens que ça va être un labyrinthe ce donjon là. Il va falloir taper les leviers pour voir lequel est le bon. Et oh là là. Là, de ce côté-là, on n'a pas été. Ah, attendez, je regarde un truc. Ah, vous avez rouge et vert pour les leviers, d'accord. Une porte a été ouverte. Oh, je pense qu'en fait, il n'y a pas vraiment de jeu avec les leviers, quoi. Ça rend la mana, je pense. On a ouvert ce levier. Fantastique. Brown Sandals Rapid Leather. Ah, c'est le fameux truc. Non? Ah non, je croyais que c'est non. Alors, des sandales brunes. Qui a fait caca sur ces sandales? Résistance à la terre, plus 2. Bah, tu sais quoi? Hop, tu mets ça. Toi, tu t'enlèves tes chaussures, tu fous des sandales. Ah, eux, ils ont déjà des sandales, quoi. Vous avez des chaussures. Bah, c'est les chaussures, c'est mieux que les sandales. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, oui. Et nous avions trouvé. On avait trouvé autre chose. Rapid leather. Force moins 5. Intelligence moins 5. C'est pas foufou, hein? Des dégâts mec hein. Mais bon, t'es censé être un voleur, alors on va te faire confiance. Encore un troisième niveau, mais punaise, je suis toute j'en suis tout ébaubi de tous ces niveaux. Oh, je pense que voilà ce qui justifie le fait que le donjon soit niveau 3. Il reste, ah, il y a 3 étages, il reste 24 monstres. Ouais, bon bah. T'es quoi toi? Unknown Monster. Ghost. Bon, il est pas trop méchant au niveau des dégâts pour l'instant. Par contre, il a de la vie, elle cochonne. Bon, il vaut pas grand-chose en XP non plus. Hein. Vous voulez pas vous tourner, vous les gars?
Ah, non. Squeletton, healthy. On sait pas encore combien ils ont de points de vie, on n'en a pas buté assez. Alors, Ligue, L-I-G, je ne sais pas ce que ça veut dire. Probablement sensible à la magie de la lumière. Probablement. Alors, sur ce jeu, vu que vous avez des classes avancées, ce que j'ai vu qui était recommandé, c'était de changer de classe pour le personnage avant de gagner trop de niveau pour éviter de faire trop de level up sur les classes de base. Apparemment, les level up sur les classes avancées sont plus efficaces. Alors, on va essayer d'aller au bout de ce donjon et après, on ramènera ces gens en ville, puisqu'on a fait une arène, hein, pour essayer de se faire un gladiateur. Je suis pas sûr qu'on ait un mec capable de prendre l'arène. Je rappelle que l'arène, c'est du solo. Pas sûr qu'on ait quelqu'un d'assez fort pour prendre l'arène là tout de suite, mais ah, le mec s'est tourné juste au moment où on arrivait. Fâcheuse décision, l'ami. Enfin, pour toi, hein, fâcheuse. Eux, ils sont tournés, mais pour ne pas se faire prendre par surprise. Los cochones. Combien t'as de points de vie? T'es mourant. Oui, enfin, t'es un zombie en même temps. On sait toujours pas combien ils ont de points de vie, les zombies. Bon, c'est du mob niveau 1, je suis quand même assez étonné d'avoir du mob niveau 1 dans un donjon estampillé niveau 3, quoi. Ce vieux bruit quand tu as... Oh! Voilà un gros groupe. On l'a même pas tué assez pour savoir s'il est en bonne santé ou pas. Bon, sachant qu'on lui a déjà foutu notre épée dans la gueule, on se dit bien qu'il n'est pas en bonne santé, mais ça commence à piquer sur Charai. C'est-à-dire que eux, ils peuvent nous taper la deuxième ligne. Hein. Nous, quéquette. Hein. Niveau XP, ça progresse les enfants? Lentement, mais sûrement. Téléporteur, je suis pas fan de prendre un téléporteur tout de suite. On avait activé tous les switches ici? Je crois qu'on n'a pas activé les deux switches là. Hein. Exactement. Du coup, on a réussi à ouvrir cet endroit. Allez, allez, on les flanquait. Pas très efficace cet endroit. On va d'abord le tuer lui parce qu'il nous tourne le dos. Donc il s'est carrément mis un panneau sur la tête, tuez-moi, tu vois. Lui il est flanqué donc logiquement il va mourir avant de jouer. Le Skeldos il me tourne le dos. Fâcheuse idée l'ami. Ah il s'est tourné juste au moment où on allait attaquer. Ah maître enfoiros. Ça ne t'a pas sauvé la vie. Enfin la vie, façon de parler. Oh. Pas bien de reprendre une sauvegarde, c'est pas bien. Black bracelet et gauntlet. Alors, black bracelet def 5 d'Arvin. Du coup, on va le mettre là. Et toi, on va te donner ce bracelet. Et qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu...
Gauntlet, mais ça tu en as déjà, toi tu en as déjà, toi tu n'en as pas, toi on va te les donner à toi parce que l'autre, ton pote, il a de la def, hein, il a reçu une belle armure. Il a presque autant en def que nos amis les guerriers. Hop là, les gars, on arrive dans votre dos. On a peut-être une chance de buter un zombie et un rat avant qu'ils jouent. Bon, on peut même espérer buter le deuxième rat. Use potion or heal. Ça, par contre, le truc qui clignote en plein milieu de l'écran, c'est super chiant. Je suis radin, j'ai pas envie d'utiliser de potions. Ok, c'est comme ça. C'est très intéressant ce coin-là. Il n'y a même pas un passage secret ici. Putain, mais quelle misère! Les gars, je sais pas qui a fait l'architecture de votre donjon, mais punaise, il craint quoi, le mec. Est-ce qu'on peut enlever ce message? Ah, c'est le tutoriel. Putain, il est relou. Ah, oui, oups, non. Nous ne voulons pas boire ici. C'est le tutoriel, j'ai bien envie de l'avoir, hein. Je veux dire, je connais pas plus ce jeu que ça, quoi. Il reste beaucoup de... Oh, surprise attaque! Cool. C'était pas prévu, les gars. Désolé, on prend par surprise, mais sans même nous savoir qu'on vous attaque. On est tout aussi surpris que vous. C'est ça qui est beau. Pas de... non. Il nous reste 10 monstres. Si on arrive à finir ce donjon intégralement, bon, logiquement, on a le niveau pour. Hein. Ça peut être sympa. Oh, toi, le zombie, dis donc, tu gardes un coffre. Buckler, Book, Spark. Un chapal, enfin une casquette, enfin bon, bref, un truc tout pourri, quoi. Il y a un téléporteur quelque part qu'on va devoir prendre. Il y a juste cette porte-là qu'on n'a pas. Cette grille-là qu'on n'a pas pu ouvrir, hein, mais sinon, il nous reste quand même 9 mobs. Alors, on a quoi? Je vais quand même devoir enlever supprimer ce disable tutorial-là. Alors, Buckler, DF5 et VAD5, c'est mieux que ce bracelet. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ce chapeau, DF4, pour quelqu'un qui n'a pas de chapeau. Voilà, tu as un petit chapeau pourri. C'est mieux que rien, me direz-vous. Ok, donc il y a là qu'il faut encore qu'on aille. On revient à la pièce de départ. Logiquement, là, il y a le téléporte. Voilà. On est où là? On est toujours au troisième étage. Les bottes costaudes, quoi. Qui peut utiliser ces brownie boots? Toi, t'as toujours des shoes. Toi, t'as des brown sandals. Je pense que les. Pourquoi tu veux pas mettre ce helm, toi? C'est carrément mieux que ça. Du coup, toi, on va te donner un chapeau.
Alors, Brownie Boots, défense 6, force 10. Bah écoute, mon gars. On va le donner à lui, pourquoi? Parce que c'est lui qu'on va envoyer dans l'arène en premier. Et donc, pour aller dans l'arène, on va faire un mec super stuffé. Sharp Lord Club, il faudra lui donner à lui. Bon, quoi que Def 5. Ouais, si le Sharp Lord Club, il faudrait lui donner à lui. Faudrait qu'on te trouve mieux que ce shirt là aussi, mec. Bon, on a déjà trouvé pas mal de stuff hein, dans ce donjon. Faut pas en demander trop non plus. Ne serions pas plus royalistes que le roi. Comme j'aime bien le dire. Mon dieu, c'est un rat! Tout seul au bout du couloir, on se demande ce qu'il fout là le mec. T'étais parti chier dans ton coin ou quoi? Bon, apparemment on en a fini à ce niveau. Il semblerait que ce soit le cas, à moins qu'on ait raté un secret quelconque, c'est tout à fait possible. De ce niveau, j'ai l'impression que y a... c'est comme si on n'avait pas fait grand chose, vous voyez, à ce niveau. Ouais, là, il y a quand même des choses qu'on n'a pas... Là, on n'est pas passé derrière cette grille, quoi. Était-ce vraiment nécessaire de faire tout le niveau, tout le donjon avant de pouvoir aller par là? Oui. Witchshirt, oh! Une chemise de sorcière. Alors bon, sorcière MP10, on s'en fout pour toi, mec. Revenez, les gars, faut qu'on prenne par surprise. Qui rate. Hazan, t'as pas honte de rater? Oh oh. Toi, t'as chopé quoi? Malédiction, bon, 60 tours. Ghost absorbe l'énergie. Ah, il pompe la mana, lui. Il pompe l'air, oui, ça c'est sûr. Quatre monstres restants. L'ennemi est flanqué. On n'aura pas le temps de le buter. Heureusement, il se contente de pomper la mana, ce qui, moi, me dérange pas outre mesure parce que j'utilise pas de mana avec mon perso. Il doit rester un mob, non? Deux mobs. En fait, ce sont des groupes de monstres. Quand il dit Monsters Left, ce sont des groupes de monstres. Il reste deux groupes de monstres. Oh, nous avons été flanqués. Oh, ça c'est mal. Faut qu'on apprenne à avancer pas en regardant devant. C'est ça, pompe-moi la mana.
142 XP. Niveau XP, ça donne quoi? Putain, il manque 10 XP pour level up. Bon, si on trouve un piège. Ouais, là, plutôt avancer comme ça. Voilà, on les a fait par surprise. Et du coup, c'est le couloir du loot et bah, c'est surtout le level up. Alors, tu peux prendre Charge ou Bash and Slash. Pourrait-on avoir une information sur ce que ça fait? Bash and Slash, vous assommez l'adversaire avec un coup puissant à la tête lorsque vous les attaquez avec votre arme, ou Charge, rassemblez votre force avant d'attaquer ce qui porte un coup plus lourd. On va prendre Bash and Slash. Toi, Hazan. On va prendre Charge. Charai. Toi, tu as Fleury, c'est Rafale. Attaque avec une série rapide de coups ou une attaque faite pour tuer. Peu, pas vie, survie. Tiens, bah, Critical Strike, on va faire. Et toi, Emmet, Emmet Show. Homet Show, plutôt. On va prendre l'autre, Fleury. Hein. Mission réussie, 105 XP, félicitations. Des mots de vos actes braves vont s'étendre partout dans le pays, quoi. Sortez lorsque vous serez prêt. Oh, durable shirt, hein, voyez-vous ça. Alors on a du cuir, on a un cuir et on a un durable shirt. Alors, cuir, c'est def plus 10, durable shirt, def plus 4, endurance plus 10. Ah, ouais, bon, on va quand même te mettre un shirt, toi, mec. Un leather. Toi, on va aussi te mettre un leather. Et le durable shirt, on va le mettre à lui. Comme ça, toi, t'as des points de vie, poteau. Witch shirt, ça, ce sera pour un éventuel magot. On a quoi? On a chopé qu'une hache. En casque, on a rien. En gants, on a des gants blancs. Def 3, résistance à la lumière, plus 20. Ouais, ce sera pour quelqu'un de la ligne arrière. Qui n'a rien pour l'instant. Parce que nous, on a des gants plus 4 en armure. Et c'est plus intéressant pour nos personnages. Ok, bon, on va retourner en ville. Pas mal ce petit jeu-là, honnêtement. Ça fait du dungeon crawling tout à fait sympa. Et après, bah, ce qu'il va falloir regarder, c'est développement des personnages. Alors, comment est-ce qu'on sort de ce patelin? Bah, en allant relativement tout droit. Alors, gain 2933 gold, 6 cristaux, des gants, une fiole magique, un black helm, knife, fast axe. Non mais ça c'est la liste de tout ce qu'on a trouvé ça. Ouais, c'est la liste de tout ce qu'on a trouvé là. C'est pas du loot en plus, hein. C'est un récap. Franchement pas mal. Alors, est-ce qu'on a un mec avec des bonnes stats? Si on veut faire un magot, genre un healer, lui, vous voyez, il a de l'intelligence. Donc lui, on va le prendre. Mais Prince, il est fighter niveau 1, vous voyez. On a dû le prendre en fighter, encore une fois. Non, il nous est donné fighter niveau 1. Lui, il m'intéresse absolument pas. C'est lui, il a une super stat pour être mage. Ah non, c'est Will pour être hors de la mana. Ah, ouais. Donc ouais, non, c'est, ils sont pourris ces mecs. Si je veux améliorer cette arène, il me faut beaucoup plus d'argent et de cristaux.
Alors, vous allez aller en ville, vous. Ah, mais d'accord, les bâtiments de la ville sont à côté. Alors, qui va entrer dans l'arène? Vas-y, Brutus. A été seul au monde, mec, hein? Donc, alors là, si le mec se fait chain stun par l'ours, il va mourir. Attaque surprise. L'ennemi est flanqué. Je pense pas que Brutus ira très loin dans l'arène. Félicitations, sortez lorsque vous serez prêt. Alors, je ne sais pas vraiment comment fonctionne le système de gains au niveau des personnages, de développement d'aventuriers. Alors, mec, on va te revendre ça. Voilà. Un peu d'argent et ouais, malheureusement on a toujours que ces deux tocards. Enfin, franchement, lui il aurait un peu plus en willpower et il serait bon, c'est triste. Donc voilà, c'était un premier aperçu de ce sympathique jeu. Qu'est-ce qu'on a? Armor Smith, Enchanter, Farm, Guard Tower, Mage Guild, Temple. Ah, on va faire un temple. Donc voilà, on va développer cette ville. Plus tard dans le jeu, a priori, on aura la possibilité de créer d'autres villes. D'où l'intérêt des étables, hein, qui nous permettront de connecter nos villes par du voyage rapide. Et donc on a plusieurs parties de héros. Vous allez voir ce cottage. Alors, un fermier et sa famille vous accueillent. Ils sont harcelés par des monstres d'une caverne à proximité. Je suis sûr qu'ils vous seront reconnaissants si vous les tuez. Allez-vous les aider? Voilà, donc là, on a une quête. C'est la caverne des horreurs, niveau 2. Oh, une auberge. Juste aller voir ce que c'est cette auberge. Ah, c'est la même chose qu'une auberge chez nous. On peut embaucher des héros. Alors, 3000 gold, lui. Rogue niveau 4. Mage niveau 1. Fée niveau 3. Elle a quoi, elle? Oh, 17 en Intel, 22 en Will. Le problème, c'est que je sais pas ce que font les fées. Déterminé. Explosion de fée. Ah, c'est une défense naturelle. C'est une magie qui attaque un ennemi random. Energize, ça rend weak, ça affaiblit curse. Ok. Et là, ma gote, niveau 1. Ah ouais, tout de suite, les stats, c'est pas les mêmes. Skill, tu as bluff. Ah! Naturellement fort et puissant. Pour un mage, c'est très intéressant. Brûle tes ennemis avec un flot de chaleur et de flammes. 12 à 27 en dégâts. Bon, elle coûte moins cher. Elle, je vais l'embaucher. Du coup, elle fait partie de ce groupe. Je ne souhaite pas qu'elle soit dans ce groupe, vous voyez. Je veux qu'elle rejoigne mon groupe principal. Donc, eux vont prendre ses trésors. Et vont retourner à la ville. Je sais pas, tiens, on va essayer de voir comment on peut partager des...
Des héros. Alors, labyrinthe des serpents, niveau 12. Niveau 12, c'est un peu costaud là par contre. Alors on va échanger. Toi, la magicienne, tu vas venir là. Ok. Alors, si on veut aller vers ce donjon niveau 2. Ok, bon bah moi là je suis parti. Je veux dire, ce jeu me plaît bien, honnêtement. C'est pas révolutionnaire, c'est pas le jeu du siècle, mais c'est un jeu qui est à peu près à 2 € hein, sur Steam à l'heure actuelle. Aucune raison de refuser de faire ce jeu, quoi. Je veux dire. Là-dedans, je crois que c'est une Mage Guild. Ça coûte pas très cher, la Mage Guild. Bon, après, il faut l'améliorer. On peut acheter des sorts pour Flare, Frost, Haste, Poison, Sparkstone. Et d'ailleurs, en parlant de sorts, on a une magicienne là. Ouais, magicien ou je sais pas quoi. Toi. Tu vas prendre Wick, tu vas prendre Spark. On n'avait pas un livre de heal? On l'a vendu comme un con ou quoi? Je sais pas. Bon bref. Ça fait plus d'1 h 20 que je suis sur ce jeu. Ok, je m'éclate, mais bon, c'est pas forcément la came de tout le monde, je pense. C'est le journal des quêtes, ça. Ok. Allez les gars, en route. Quant à toi. Campement de cristal. Les travailleurs à ce camp revendiquent que les monstres les empêchent de travailler. Ils vous récompenseront si vous pouvez vous débarrasser de ces monstres. Voilà un donjon qui vient d'apparaître et qui est de niveau 2. Le mec est tout seul, donc oui, c'est challenging. Oui, ça, on s'en doute. C'est pas. Hop, lui il rentre, pourquoi? Pour prendre ce qu'il peut. Ouais, s'il avance, il va se faire attaquer par des rats. Alors on va essayer, hein. Le mec est tout seul, il est à poil. Peut-être arrivera-t-il à tuer un rat. Ah, je pensais que j'allais flanquer. Oh, le personnage est mort! Ah, c'est fâcheux. C'est fâcheux. On a voulu attaquer un rat avec, mais notre personnage n'a pas été capable de vaincre cet adversaire surpuissant. Peut-on faire quelque chose avec ce groupe? Peut-on le ramener à la vie? Il semblerait que non. Hélas, non, il semblerait que nous ne puissions pas faire grand-chose. Bon, bah ouais, nous avons perdu un groupe. Voilà ce qui arrive quand on essaye d'aller affronter des rats et qu'on est tout seul. Alors, ces monstres, ils sont quoi? Niveau 8? Ouais! Vous êtes gentils, les gars, mais non. Certains morts-vivants se dirigent vers notre ville. Les gens ont peur et restent enfermés chez eux. Oh. Ces monstres représentent une menace directement pour votre royaume.
Ouais, bah pour l'instant, moi je suis occupé à la Cavern of Horrors, ok? Ils sont comment ces monstres? Niveau 3, Deadly. On va voir, hein. Peu importe, je suis trop loin pour me défendre. Je pourrais embaucher une partie, mais elle serait complètement naze. Alors, il y a combien de... Il n'y a priori qu'un seul étage. Il y a 16 groupes de monstres, hein, par contre. Des gants, je crois qu'il a pas de gants lui. Mamagot, il va falloir comme la. Toi si t'as des gants. Elle a pas de gants. Elle peut pas les mettre. Ok. Fair button. Toi par contre on peut donner la witch shirt. Stubborn Dirk. Willpower plus 10. Bon, 18 en attaque, ça fait un peu chier de donner ça à Mago, mais 18 en willpower, c'est la fête, hein. Là, elle vient de gagner tellement de mana, là. Elle vient de doubler son score de mana, quasiment. Faut que je regarde comment on utilise les compétences. J'ai même pas essayé. Toi... Strike, ça coûte 6. Critical Strike, ça coûte 20 en mana. 50 points de dégâts. Ah ouais, quand même. Toi, la magotte. Flair, ça coûte 5 en mana. C'est du mono-cible. D'accord. Bon, pour l'instant, on n'a pas besoin d'utiliser de la mana pour faire des skills. Et donc, en fait, la mana, il va en falloir littéralement sur tout le monde, du coup. Hein. Pas que sur les mages. Alexandra, tu es maintenant niveau 2. L'intelligence et spell power. Donc, on va te donner. Alors, tu apprends burn ou ice. Burn, c'est un dot, 8 à 13 points de dégâts par tour. Ice, c'est 17 à 26. Alors, certes, burn, ça fait 24 à 39. Mais je vais prendre ice. Parce que j'ai déjà un sort de dégâts de feu. Je vais garder un sort de chaque type de dégâts. 76 en mana, toi. Ton sort de. Ton premier sort, il fait. Il coûte 5, je crois, mana ou un truc comme ça. Donc tu peux y aller en magie. Hein. Tu peux te lâcher, quoi. Oh, ils sont retournés. Ces idiots. Cents XP ce groupe, hein. Ah ah, le bire. Ah, fallait pas me tourner le dos, mec. C'est pas cheux pour toi. Ah, il a 42 points. Ah, c'est un rat niveau 2. Ah, il y a des rats niveau 1, il y a des rats niveau 2. Voyons les gars, c'est la nouvelle mode de rater comme ça. J'ai dit que j'allais m'arrêter, je suis reparti pour un... Oh, un serpent. Unknown Monster. Ouais, enfin il s'appelle serpent ton Unknown Monster, ça je veux dire, je sais pas, mais je peux te le dire. Juste voir quel est l'effet des quêtes, en fait, dans ce donjon.
Il nous reste 8 groupes de monstres. L'architecture des donjons est un peu plus basique. Encore une fois, en tant que dungeon crawler, si vous cherchez un dungeon crawler plus classique, je vous conseille plutôt de partir sur Dungeons of Dragonknight, hein, d'autant que Dungeons of Dragonknight a été a reçu une VF. Certes, façon Google Trad, mais c'est une VF quand même. Rat niveau 3, punaise. Byzance. Dès que ça pexe tout ça. Je préfère quand tu stuns toi plutôt que quand tu mords. Bon, toi t'es en frontal, ça devrait le faire. Ou pas. Réussir à se faire toucher par un rat. Ce piège et ce couloir étaient très très intéressants. Honnêtement, encore une fois, voilà, c'est clairement un petit jeu, mais c'est un jeu que je trouve agréable pour l'instant. Ah, on a un téléporteur, c'est vrai. On va essayer d'aller au bout, voir si la porte qui était verrouillée a été ouverte. Mais honnêtement, pour un petit jeu, il se passe bien, il se laisse tout à fait faire. Et je vois tout à fait le côté addictif du truc. C'est plein de tout petits donjons comme ça. C'est typiquement un truc très addictif. Oh là là! Oh, du violet carrément, des sandales du chat blanc renforcé. Non, c'est pas vraiment du français tout ça. Brony Boots. Bah tiens, on en a déjà. Par contre, il y a une lance. Je crois que toi, je t'ai donné. Ah, le problème, c'est que. La lance sera jamais au niveau de ça, quoi. Attaque plus 10, c'est gentil, mec, mais... T'attaques plus 16 et plus 2 à toutes les stats, quoi, mec. Hein. Alors, toi, t'as des shoes. Ça, c'est Brownie Boots. Défense 6, force 10. Donc, tu perds l'évasion. Tu perds un peu de def, mais tu gagnes 10 en force, mec. Et ces sandales. Def 14, évasion 2, agi 10. Ouais, bah, tu sais quoi. Plutôt prendre ça. Hein. Tant qu'à faire. Elle a des sandales. Je vais donner... bon, force plus 10, c'est pas vraiment terrible pour elle. Hein. Toi, tu as perdu en évasion, mec. Mais tu vas gagner 10 en force. Tu taperas un petit peu plus fort. On a eu quoi, livre de bâche? Ouais, non, c'est pas nécessaire. On va plutôt garder ça pour un guerrier. Par contre, toi, on a chopé ce bracelet rapide. Ouais, force, agi, speed. Non, c'est pour lui. Hein. Def 5, ça c'est Def 5, évasion 5. Hein. Lui, il perd de l'évasion, mais... Ah, ou alors on le donne à lui, hein. Black bracelet, ok. Durable shirt, white sandals. Et on savait pas le loot.
Alors, durable shirt. C'est un truc pourri, mais avec de la vie. Bah, on n'a pas besoin, on va donc le garder en stock. Et les sandales. Pour elle, hein. Voilà. Elle a la résistance contre la lumière. Il reste combien d'ennemis? Trois groupes, hein. On va essayer de finir ça vite fait avant d'arrêter cet épisode parce que ça fait quand même longtemps qu'on y est. Mais ça, c'est là pour donner un petit aperçu de ce que vaut ce Heroes of Broken Land. Bon, la magotte, on pourrait le faire autre chose que frapper. Bâche, c'est quoi? C'est coup puissant. On va essayer de faire charge. Ah, quand tu fais charge, tu passes ton tour pour mettre une plus grosse banane au round suivant. Ok, c'est pas très utile comme skill. Enfin, ce sera utile plus tard quand on affrontera des mobs beaucoup plus costauds. Parce que là, pour l'instant, c'est plutôt inutile quand même comme truc. Bon, ça nous a un peu servi à rien tout ça. Ça nous a pas ouvert cette porte là du tout. Donc c'est fâcheux. Ah si, on a utilisé ce. Si, on a utilisé ce levier. Donc il n'y a plus qu'à partir du principe que c'est ça qu'il nous fallait parce que de toute façon, on peut pas. On n'a pas d'autre choix. Ouais, c'était bien ça. Il nous reste deux groupes d'ennemis. Attaque surprise! Alors toi, sur le serpent. En vrai, c'est Ice. 21 points de dégâts. Ok. Félicitations. Ah bah non, là on a carrément fini la mission. Ok. Alexandra, tu passes un niveau. On va te mettre full intel. Un peu d'endurance quand même. Du coup, toi au niveau de tes sorts, ça fait quoi? Ah oui, augmenter l'intel, ça se voit, hein. C'est assez important sur Ice. Hein. Et Flair 1941, on n'en était pas du tout là au niveau des dégâts. Hein. Bon, on va aller rendre cette quête et puis voilà. Donc on n'aura pas fait le tour là, par exemple, le danger des squelettes qui sont une menace pour notre ville, comment est-ce qu'on les gère, etc. C'est pas grave, on peut pas tout voir sur une vidéo, mais ça donne un bon aperçu, je pense, de ce que vaut ce jeu. Et il est franchement pas mal du tout. L'exploration me fait un peu penser à celle de Burnland. Alors Burnland, j'en ai enregistré quelques vidéos, je les diffuserai fin août ou fin juillet, je sais plus. Enfin cet été quoi. Alors, le cottage. Les fermiers sont extrêmement reconnaissants de votre aide. Ils offrent le peut-être qu'ils ont. Acceptez-vous cette récompense? Oui, certes. On aurait pu refuser, ça aurait certainement fait plaisir aux fermiers de garder son argent, mais nous, ça nous fait plaisir de garder un fast knife. Attaque plus 8, le fast knife, il fait quoi? On n'a pas tout le type sur fast knife. Ah, attaque 5, speed 15, ok, d'accord. Ouais, c'est ça, hein. Voilà. Donc c'était 1 heure et demie de game, un peu plus d'une heure et demie de gameplay sur Heroes of Broken Land. Certes, session de jeu un petit peu plus longue.
Mais j'ai trouvé que c'était tout à fait intéressant. Donc ce mélange un peu light de construction de cité, donc le côté construction de cité est un peu light, vous êtes limité en bâtiment. Après, il faut les upgrader, vos bâtiments. Voilà, bah maintenant on peut faire une promotion de gladiateur. Il faut que les champions d'arène deviennent gladiateurs. Bon, ouais, donc il va falloir qu'on envoie quelqu'un pour devenir champion d'arène. Et donc il faut qu'on fasse revenir un groupe ici, qu'on fasse un champion d'arène. Bon, vous savez quoi? Je vais essayer de prolonger ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire rentrer rapidement. Rapidement quoi, d'ici 25 tours. Mon groupe ici. Au revoir monsieur le squelette, nous ne souhaitons pas partager notre existence avec vous. Des donjons avec trois groupes requis. Le monstre, on passe au travers, il n'y a pas de problème. Pas de stress, il n'y a point de stress. Alors, deux villes sont en train de se disputer à propos de commerce. Loch Ness est en train, enfin, vend des légumes à Crystal Wind. Crystal Wind se plaint que les légumes sont pourris, ils refusent de payer. Loch Ness dit que bah ils ont rempli leur contrat. On va payer Crystal Wind ce qui leur est dû. Ah, Crystal Wind ce qui leur est dû. Crystal Wind est réjoui par votre réponse. Loch Ness vous remercie pour votre générosité. Voilà, on a fait plaisir à tout le monde, ça nous a coûté un bras. Du coup, je suis pas sûr qu'on ait de quoi partir à... Alors, l'école de l'eau. D'accord, ça permet d'apprendre des sorts. Et on peut avoir les pouvoirs du sorcier. Pas mal. On pourra peut-être entraîner notre nana. Bon, est-ce que j'ai assez d'argent pour être pour tenter ma chance en tant que gladiateur, moi, avec ces conneries? Promo to gladiator. Ah ben, y a personne. Alors, on va envoyer Brutus. Ah, t'es empoisonné, Brutus. Oh! Je pense que c'est la fin pour Brutus. Il n'ira pas plus loin que ça. Le poison va réclamer sa vie. Mais t'es pas foutu, tu es un squelette, Brutus? Ah, t'as un level up? Ouais, bah c'est pas du luxe, hein. Ouais, le level up là, il fait du bien. Hein. Alors, nous avons un slime. Un slime à œil. Bash and slash. T'as fait 9 points de dégâts, tu la stun. Voilà, eux on va... Oh mec, tu vas en chier, putain. T'as stun le slime. Oh, t'as pris un coup critique, mec. Bon bah je pense que tu ne survivras pas au prochain round. C'est-à-dire que le peu de vie que tu rends ta potion, c'est ce que tu perds à chaque round, donc... Vous avez perdu, votre cadavre est... Virer de l'arène. Ouais, je pense que je ne peux pas... Je pense pas que ce soit possible de... Ah d'accord, donc il n'a pas sauvegardé pendant le combat.
Oh, quelle tristesse! Fâcheux, mec. On peut pas sauvegarder en fait pendant l'arène. Ouais, le temps qu'il faut pour buter un slime, qu'est-ce que vous voulez qu'il prenne 3 mobs à la fois, lui? Ah, en plus, il se mange un piège sur la tronche. Cette espèce d'intellectuel. Je pense qu'il va gentiment partir. Voilà, surprise attaque, mec, faut que tu mettes tout ce que t'as dans le bide. Bah, t'as eu une attaque surprise, tu l'as raté, mec, donc cherche pas. Peut-être qu'en passant l'attaque surprise, ça aurait été faisable, mais là... En fait, la potion de soin lui rend pas plus de points de vie que ce qu'il perd à chaque round. Ce combat est impossible à faire pour moi, en l'état. Malheureusement, Brutus n'est carrément pas assez fort et le temple n'est pas... Ah bon, bah Brutus, tu vas te soigner, hein, mec. C'est pas comme si on avait vraiment de possibilité de faire autrement. Est-ce qu'on peut t'apprendre un livre? Bash, tu le connais. Toi, tu connais Bash. On va te donner Bash. On va falloir améliorer un peu nos personnages si on veut faire comme ça de l'arène. Bon, quoi qu'il en soit, bah, ça met un terme à notre épisode puisqu'on ne peut pas essayer de s'en sortir. Là, je pense qu'en fait, on a trop attendu pour aller faire l'arène. Vous voyez, la première fois qu'on a été faire l'arène, notre personnage s'en est sorti parce que bah, y avait moins d'ennemis. Si on avait amélioré l'arène assez vite et qu'on avait fait un focus là-dessus, on aurait peut-être pu passer gladiateur avant. Bon, peu importe. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.